Et plop les gens, aujourd'hui on découvre Distance, donc un jeu de voiture. Il me semble pas comme les autres, je crois qu'elle vole un petit peu tout ça, mais je ne me suis pas trop fait spoiler. Tout ce que je sais, c'est que c'est un jeu relativement court. Au long to beat dit 3 heures en ligne la plus droite possible. Je sais pas si je le finirai aujourd'hui, j'espère quand même, je vais essayer en tout cas. Sûrement en plusieurs petites VOD. Et ça sera des VOD que je vais rajouter. Enfin, ça va intercaler entre deux saisons de Factorio. Que pourtant j'ai streamé et joué du coup les deux séries de Factorio. Mais pour la VOD, je me suis dit si j'enchaîne deux séries de Factorio, les gens vont croire eh, pourquoi ça recommence à 1 et tout. C'est. Voilà pour. Pour laisser un peu de temps pour les séparer, je me suis dit je vais jouer à Distance, qui est censé être plutôt court. Donc on a la campagne, le mode arcade, le mode multijoueur apparemment, le workshop, le garage, les options, le jeu se lance en 720p par défaut, ça pique un petit peu les yeux. Donc voilà, j'ai juste réglé ça. Je ne sais pas du tout la différence entre arcade et campagne, je ne sais pas à quoi ressemble le multijoueur. Mais on va se lancer dans la campagne. Aventure 0%. Voilà, il y a 3 séries de niveaux avec le premier qui a l'air beaucoup plus fourni que les deux autres. Si on peut peut-être regarder rapidement l'arcade. D'accord. Print sur, survivez à la course et faites la course jusqu'à. Enfin, survivez à la piste et faites la course jusqu'à la fin. Challenge, pas le droit de redémarrer, pas de checkpoint. Des pistes courtes avec du challenge. Stunt, c'est. On fait des tricks. Et il faut, faut avoir le meilleur score. Trackmogrify. Interface, and randomly generate. Ok, faut générer du niveau. Ok, c'est bizarre. On verra peut-être ça plus tard. Oui, non, campagne, c'est ce que je voulais. Ah oui, il y a carrément deux pages pour la première. Pour la première série, alors qu'après il y a de moins en moins de niveaux. C'est un peu étrange, mais ok. Donc, adventure, drive into the heat of the arrays as you pursue a deadly mysterious trail. Donc, on conduit dans la chaleur du tableau. Oula, c'est peut-être que je suis trop informatique. Array. Quand on pourchasse mystérieuse et. Menace dangereuse qui deadly s'est tué. Donc instanciation. C'est écrit en petit dans un coin. Quelque chose qui démarre en tout cas. Sûrement la voiture. Quatre
cataclysme. Ok, les gâchettes, accélérer, freiner, gauche, droite. Ok, B, on peut voir la carte apparemment. Ah, changer le... Un peu surpris. Ah, c'est pas si mal. J'aime pas trop les vues intérieures, mais... Donc ça, c'était la vue de base. Pas mal. Ah, sauf que ça met une jauge. Pour tout long, will overheat your core. Oula, ça vibre fort. Ah, ok. Checkpoint will cool down your core. Et puis là, on était bel et bien obligé de... Booster, c'est bien, mais ça refroidit lentement. Ou là où on doit booster après. Si on est déjà en surchauffe, ça va pas le faire. C'est ça le checkpoint. Donc tant qu'on voit les checkpoints. Evacuate, ok. De booster à fond parce que je vois à chaque fois que le prochain checkpoint est pas trop loin. Ah là, peut-être il est un peu loin. Ah non, il y en avait un. Et j'espère que vous avez bien le son du jeu. Danger entering vacuum. Ah, danger, on rentre dans un espace sans l'atmosphère. Wall ride. Pourquoi c'est en fit? Pourquoi c'est tout en anglais? Du fail power. Remember her. Oh, remember me. Non, parce que la carte, on dirait qu'on n'a pas du tout avancé. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on va à droite, hein, si vous voulez. Bien, une seule mort, ça va. Secteur 16, diversion. On synchronise moving forward, succès. Gauche ou droite? Gauche, j'ai vu un checkpoint. D'être sur le mur quand le mur disparaît, quand on sort du tube. J'aurais dû tester, quitte à remourir. Juste. J'ai vu un mur, j'ai foncé.
Seconde, je vais mettre un petit peu plus fort le son parce que peut-être un peu trop tout d'un coup. Est-ce qu'elle est bien la musique? Je trouve qu'elle met bien dans l'ambiance. Ah, je suis à l'arrêt. Je ne peux pas booster. Quoique, si. Ok, gauche ou droite. Je sais pas s'il y a des vraies différences. J'allais dire dans l'histoire. Peut-être que ça fait des parcours totalement différents. Ça avait pas l'air hein. Sur la carte, on aurait dit que ça se séparait gauche-droite et que ça se rejoignait. On rappe sur le secteur 15. Euphoria, euphorie. En synchro et on y va. Ok, premier accident qui n'est pas un vrai crash. Elle est abîmée la voiture. C'est pas qu'elle s'abîmerait. Bon, elle se répare au prochain checkpoint, donc ça va. À gauche, on a dit qu'on resterait à gauche tout le long à peu près. Je sais pas pourquoi, sachant que le tout premier j'ai pas pu aller à gauche. Donc on a rien dit du tout. Ah là le... On voit... Ok. La boussole, je sais pas trop à quoi elle sert, c'est un peu bizarre. On va arrêter de pousser là. Youp, les rayons laser. Pas l'air d'être bien si on s'y frotte. Ouh, ça se passe bien. Entanglement. Alors je croyais que j'avais 4 heures et maintenant... Il me reste plus que 3h15 alors que ça fait 14 minutes de VOD. Je comprends pas. Comment on a fait passer 3 quarts d'heure en... Oula, oula, oula. Bonjour. Self-termination, ok. J'ai appuyé sur back avant d'arriver tout en bas, j'ai un succès.
Oula, oula. Ok, on se téléporte à gauche à droite. Ok. Appuyer sur X pour m'arrêter de voler. J'ai l'impression qu'on reprend la route ici. Oula. Voilà. Pas sûr que ça servait à quelque chose de se poser pour une si courte durée. Et oups! Ah! Split personality. Oula! Oula! J'ai eu un succès, mais Hop, pitour, je lis ton message après. Non, si. What the fuck is this game? C'est Distance, le nom du jeu. Je crois qu'il est sorti en 2018, si j'en crois Steam. J'ai vu AlphaCast y jouer récemment. Et vu qu'il était dans un Monthly... style. Si, il a le sens de l'avant. Teleportation sequence to Earth initiated. Opening in 6, 5, 0, 7, 8, 2. Ok. Primary teleportation sequence to Earth will soon begin. Teleporter will open in 3 hours, 11 minutes. Finalement, ça t'a pas fait du bien. Mais si. Oh. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai vu AlphaCast y jouer. Il a l'air court comme jeu, si j'en crois. How long to beat. De toute façon. T'étais pas encore là quand je l'ai dit, mais c'est aussi pour avoir quelque chose à mettre entre deux séries de factoriaux distinctes. Pour le moment, il est marrant. Ah, je suis sous la piste, j'aurais peut-être dû passer dessus. Il y a un succès overheat. Là, du coup, je vais pas arrêter d'accélérer juste pour vérifier ma théorie. Il y a des succès pour toutes les petites actions. Non, je vais rester en vol. Pas sûr de vouloir monter en voiture avec toi. T'es pas fan des. D'ouvrir ta portière pour pouvoir s'envoler. Là on ouvre les deux portières et puis on s'envole. On a dit à gauche, je sais pas pourquoi, mais on a dit à gauche. Oula. Je sais pas s'il faut avoir tous les checkpoints ou si on en loupe, c'est pas grave.
On a loupé le saut, c'est pas grave, on se rattrape en volant. Parce que, ok. Donc là, on roule à l'envers. Là, on va vers le bas. Là, on est normal, je crois. Oups. C'est un avion qui roule plus qu'une voiture. C'est ton analyse. Au début, on pouvait pas voler. Mais effectivement, déjà, dès le niveau 3, il y a plus de parties volantes que roulantes. Oula. Non, ça va, niveau voix, musique du jeu, le ratio est bon. Vu que t'es là, j'en profite pour demander. Abyss, secteur 11. On est passé du 15 au 11, du 13 au 11. Je suis pas sûr d'avoir vu le 12. Ok, merci. Je fais de la merde, mais ça se rattrape, c'est cool. Éviter de booster, vu que j'ai du mal à voir où faut aller. Et que je vois pas de checkpoint. Non, non, j'ai toujours l'Yeti. Remember, learn, go beyond. The path ahead gives us purpose. Je suis pas sûr de comprendre le scénario. Et non, merci, que Zer Morse. Ouais, full ban, mais avec les deux mains sur la manette, c'est compliqué. Alors. Désolé, non, j'ai pas changé de micro. Non, non, je suis toujours avec le Blue Yeti que j'ai depuis pas mal de temps. Par contre, je le mets peut-être plus proche de moi qu'avant. Et puis, ça fait un petit bout de temps que t'es pas passé et je sais que j'ai fait quelques réglages. Ok. C'est vrai que je voulais tester ça tout à l'heure, mais j'avais pas encore les ailes. No entry. Oui, mais là, j'ai qu'un seul passage. Hein. Désolé, j'ai qu'un seul passage. Bah, du coup, je passe sur la droite. Corrupte. Ok, bah merci. Oula, j'ai fait de la merde. Secours, je vois plus rien. Dans quel sens? Mais oui, j'ai fait il y a quelques temps, quelques réglages sur OBS. Un jeu d'horreur de voiture, c'est original. Ouais.
J'ai rien compris. Par contre, la voix, j'ai du mal à la comprendre vu que c'est full de l'anglais. Full de l'anglais pour être affiché, c'est un peu compliqué. Genre faut vraiment que j'aille là. Ok. Ember. C'est ça la partie horreur, c'est que la route est transparente. Système fêlure, ah. Et j'ai plus d'aile et forcément ça se passe mal. Je pense que sous LSD ça doit être quelque chose ce jeu. Je sais pas, sûrement. J'ai pas l'expérience. Je ne ferai pas l'expérience non plus juste pour ça. Oh punaise. Ah, j'aurais pu hein. Avec les bons champignons. Peut-être. Je te laisse faire l'expérience, Pitou. Ok. Succès Ninja in Training. Oh, punaise. Corps à... Punaise. Mon corps à moi il en génère naturellement quoi? Mon corps à toi il en génère naturellement, mais de quoi? Du LSD et des champignons? Je sais pas. Mais je te laisse quand même faire l'expérience. À ce jeu, faut être un junkie, mais non. What? Par contre, là, j'avoue que je suis moins sûr de ce qu'il veut faire. Ok. Fallait limite pas sauter en fait. Je saute alors que je peux peut-être ne pas sauter. Non, faut que je saute.
Vous sautez, mais tard. Isolation, secteur 6. Bon, on a déjà fait la moitié du jeu, il reste 2h10, alors qu'au début c'était 4h. Ok. Si je voulais tester en recharging. T'as trouvé un stage sous LSD, c'est ça? Pas si loin de chez moi. Tu révises tes parcelles, tu t'as trouvé un stage pas si loin de chez moi, mais on habite quasiment au même endroit. Faut que je t'en parle peut-être un peu plus en privé, mais j'ai trouvé quelque chose à Clermont-Ferrand. De l'autre côté du coup. Ah. Plus au nord de chez toi du coup. Ouais. C'est bon. Pas spécialement envie d'en parler en VOD et sur un chat trop public, mais voilà. Oh punaise, ça devient compliqué là. C'est la campagne là-bas. Bah, justement, c'est cool la campagne. Hein. Moi, je l'ai toujours dit. Autarcie. Après, premier truc que j'ai regardé, c'est bonjour, il y a la fibre là-bas ou pas? Parce que s'il n'y a pas la fibre, ça sert à rien que je trouve un boulot là-bas. Ça va être compliqué de streamer, de... Oula, oula, d'enregistrer des... Enfin, de uploader des VOD encore, que maintenant que j'ai pris ce média, ça peut passer. Mais sans fibre, ça peut être vite la mort. Infection detected in sector. Evaluating collateral damage. Train. Et là, c'est le train détruit dans le présent, en fait. What the what? Bon courage sur ce jeu Philoc et à plus Pitour. Sympa d'être passé. La boussole indique n'importe quoi. Oh, faut aussi... oh punaise. De quoi? Ah mais il y avait des trucs là en bas. Avec le changement de niveau, je les avais pas vus, du coup j'ai dirigé n'importe comment. D'ailleurs, on redéplie les ailes. Ah bah voilà. Je n'avais pas vu ça. J'ai un peu coupé le bout de la voiture. Forward, we must bear
propulsion. Du coup, j'ai plus d'ailes. Ah mince, je croyais que c'était un tremplin. Ok, nouvelle touche. C'est gentil de pas prévenir. Et quand il y a la flèche. On appuie. Ah oui, d'accord. Là, on fait ça. Là, j'appuie, mais je saute. Ouais, c'est un peu chelou. Je pense qu'il fallait peut-être que je désappuie. C'est encore un peu chelou là. Pas tout bien comprendu. Là je suis pas obligé de sauter, oui. Là, j'ai explosé de surchauffe. Ok. Ça m'embête parce que des fois, je vois la carte. J'ai oublié de sauter. Et voilà, j'ai oublié de sauter. Faut sauter, mais pas trop tôt. Mais pas trop tard non plus. J'étais bien dans le rythme au début et puis j'ai loupé un saut. Ou deux, ça s'est mal passé. Son jeu, il est booster pour se maintenir au sol. Road, diffusion, équipement, ok, les 6 circulaires, c'est... Compression, secteur 4. Les 6 circulaires, c'est... les équipements pour couper la route, quoi. Diviser la route. Manufacturing facility. J'ai eu peur, là. Ok, c'est bon. Normalement, je peux revoler.
Et j'ai fait nimp. Arrêtez de booster. Non. Mais du coup les ailes c'est mauvais plan. Là, on était à gauche, maintenant on se met à droite. Mais c'est un peu moins facile j'ai l'impression. Hop, hop, hop. Ok. On est pseudo sorti, en tout cas on n'a pas pris la bonne route. Mais oui, des fois là, on... je pense que pour ceux qui veulent, il y a des chemins alternatifs à découvrir. Mais vu que ça reste pas toujours sur la carte, c'est pas évident à voir. La carte n'indique pas si c'est en haut, en bas ou au même niveau. Les ailes, je m'en suis servi une fois. Il parle de loop. Est-ce que du coup il y a une histoire de refaire toujours la même chose? Temporel, tout ça. Oh, c'est bizarre. On est sur un tapis roulant. Attendez, c'était trop bizarre. Alors là. Le tapis roulant, j'ai l'impression qu'il nous fait avancer, mais du coup on roule pas beaucoup plus vite quoi. Genre on roule limite moins vite que le tapis roulant alors qu'on est à fond. Rapping to secteur 3. Recherche, secteur 3. Voilà ce qui se passe quand on essaie de boire un peu en jouant à un jeu de voiture. On se prend un mur au tout début. Justement les engins de division de route. Plus qu'une heure 6. Ok, j'étais pas sûr. Parce qu'on voit pas la route. Faut se dire, il y a forcément une route dessous. De toute façon, faut que j'esquive.
Mais... Ok, il n'y a pas de route. C'est magique. Et là, il n'y a toujours pas de route. Ok. Par essayer de suivre le trait vert de données là. J'ai hésité à m'envoler pour le suivre. Oups. Les pouvoirs qu'on a de saut et tout, de voler, on peut se rattraper. Merci pour les phares. Oups. Ça tournait bizarrement. Ouais. Peut-être que c'est la distance trop courte qui fait que ça réagissait pas comme je m'y attendais. Oups. Donc là, ça allait. Et là, j'étais moins sûr, ouais. Plus mes ailes, normalement. Je pouvais pas me rattraper mieux que ça. Bon, il reste deux secteurs apparemment, trois peut-être, ça dépend s'ils commencent leur numérotation à zéro. Surveille drone. Du coup on va finir contagion. On va finir le secteur 1, voire le secteur 0 dans cette VOD. Et la prochaine commencera avec la suite, s'il y a une suite. Je sais pas exactement à quoi correspondent les secteurs. Oh punaise.
écran indiqué sur la voiture qui fait n'importe quoi. Je crois que j'ai une partie de la carcasse avant et de côté qui ne marche plus bien. Non. Oh punaise. Ouh. Je pensais pas pouvoir rattraper ça. Oui. Non, je ne peux pas. Oula. C'est pas la peine. C'est pas trop la peine. Ah oui. Se plaquer au sol. Passage en bas, c'était l'autre route. Oh, un petit peu abîmé le... Le toit. La vitre. As resources continue to fade, deviation opens our door to reality. Oui. Oui. Non, j'ai l'impression qu'on peut pas du tout aller par là. Très bien. Ou alors, faudra m'expliquer. Je pense que la carte m'indique que c'était possible, mais il y a eu un accident qui fait que c'est impossible. Ah, j'étais trop près du bord. Ah, oh, super, ça va me faciliter la tâche. J'ai un petit, c'est bon. Better than slice trail. Hop.
C'est mieux que le pain tranché, je sais pas exactement pourquoi. Je suppose parce que j'ai été tranché plus d'une fois peut-être dans la longueur. Violet. Oik. Playing system. Overload, secteur 01CA. Alors après, s'il y a 01CBA, on va voir si ça rend pas la VOD un peu trop longue. Et on va espérer que non, quand même. Ce serait dommage. Apparemment, il y a un passage tout droit. Mais sans les ailes. J'ai sauté avant de rentrer dans la bulle, du coup ça fait nain. Ah, la même, enfin le même résultat alors que je n'ai pas sauté en rentrant dans la bulle, mais il faut sauter après. Oh putain, faut bien rester au centre en plus. Petit lag. Oups. Il y a de la violence dans ce monde. Hein. J'ai un peu rien compris au scénario, mais c'est violent. Ah, la voiture est considérée toujours active. Bon, bah, on va pas se gêner, on va continuer. Ouais. Par la droite, ça passe mieux. Alors oui, bonjour, il y a des murs qui apparaissent. Et un plafond qui apparaît aussi. Ah, mauvaise gâchette, j'appuie sur la grosse gâchette de gauche et pas la petite. Ça n'affiche plus en avance là. Il va mieux. Tant mieux parce que j'avais l'impression de tricher du coup. Oh là là.
La physique, c'est quelque chose de relatif. Hein, c'est Einstein qui nous l'a dit, c'est ça, non? Road smoothing equipment. Secteur 01B. Ascension. Comme Towerfall. Ascension. Erreur course en remaining. The sequence is nearly complete. Remember that pieces form the whole. All paths lead to the door. 17 minutes, oui. Punaise. Ips. Ouais, c'est relou. Je sais pas où aller. Alors que le jeu est plutôt dans l'optique d'être fluide et de savoir où on va. Vu que je suis pas dans une optique de speedrun à essayer d'esquiver des obstacles de la route d'une manière ou d'une autre. De trouver des chemins alternatifs, c'est pas mon objectif du moment en tout cas. Soit, si je comprends la physique du jeu, on peut retourner sur la route, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une gravité réelle et une gravité ressentie quand on est sur une route. Mais la gravité réelle, je sais jamais où elle est. Oh là là, trop tard. Ça me va. J'ai oublié de sauter. Mais c'est bon. J'espérais qu'il y ait un checkpoint effectif. Vraiment, il y en a un. Ok. Je sais même pas où j'ai réapparu.
Si. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil là. Voilà. Et forcément, après on s'y attendait un peu. J'accélérais juste avec le boost, mais pas avec l'accélérateur. Forcément que ça surchauffe. Oh, le truc qui s'enfonce dans le sol. Ok, je peux un peu le diriger. Mais la, surtout le jeu qui lag au moment où ce truc là s'est enfoncé. Pas pratique. Grip system. Ennemi. Secteur 1A. Reste 3 minutes. Peut-être qu'il m'emmenait dans son monde régulièrement, en structure. Ça, il me l'a déjà fait, le coup. Ah, le timer s'est arrêté. C'est le but. Prochain but. J'ai mis 203 gobages, donc une troisième phase. Ouais. Enfin une phase. Route du coup. Pas très très pratique, mais ça avance, plus ou moins. Secondes, ouh, ça va être compliqué de lui faire quoi que ce soit.
Ok. Ça donne l'impression qu'on a changé carrément de. On a changé de monde quoi, mais il n'y a pas eu de chargement entre les niveaux. Donc on va continuer et arrêter la VOD. Bah, quand il y aura un chargement. Pas sûr s'il fallait sauter ou pas, restricter derrière. Mais on se fait démonter en petits morceaux. Est-ce qu'on s'arrête là? On va continuer, j'ai dit au chargement. Même si ça ressemble déjà à du générique. Écoutez, ça permet de. Punaise. Ouais, je crois que c'est déjà le générique. Bon bah, ça sera une VOD, c'est un peu plus d'une heure, mais avec tout dedans. Mieux, je ne sais pas. Peut-être que je continuerai sur. On n'a pas vu ce terrain. Peut-être que je continuerai sur quelques. Sur quelques arcades en live, on verra si. Ah, si c'est bien la fin du jeu. Gimp, c'est cool. NASA pour la Terre. Ok. WY, ça me dit quelque chose. Eh ouais. C'est donc la fin et on peut voir ça, ce sont des backers pour Kickstarter. Et bon, vu que je n'ai pas backé le jeu à part chercher AlphaCast qui apparemment l'a backé, on ne voit pas trop d'intérêt ici. Ah, dommage. Ça me fait penser que j'ai toujours pas trouvé où est mon pseudo sur. Comment il s'appelle déjà le jeu? Il y a une route là. Sur
Pod Studio Castle Story. C'est bien, on est devenu invincible. Voilà, je pense que... on va pouvoir s'arrêter là. Est-ce qu'on peut atteindre cette route? Non. On va peut-être pas explorer tout l'endroit des backers, surtout qu'on n'a pas grand... chose à voir. À chercher. J'essayais juste de voir s'il y avait des nouvelles structures sur lesquelles rouler. Mais ça n'en a pas trop l'air. Là, il y a un pic. Un virus. Libius Puncher, Vines Larsen. Apparemment, on peut rouler sur cette route là, vu que j'ai vu le pseudo. Mais... ah, bah on a les ailes. Ah, oui. Mais qui vibre comme Jaja. Ce serait bien que ce soit... elle est jolie, hein. Dans cette route-là, il n'y a personne, par contre. Ok, étrange. On voit la terre là-bas. On voit une boule lumineuse, du coup certainement le soleil par ici. Et sur ce, j'arrête la VOD là. J'espère que cette découverte, hein, même si ça fait le jeu complet apparemment, enfin en tout cas la partie campagne, vous aura plu. Et je vous dis... à très vite. Ciao.